Assurément, Gersange, salle du Rio, se tiendra samedi 17 septembre et dimanche 18, une exposition photographique de l'artiste PEF, digne représentant du mouvement artistique Urbex, contraction de Urban et Exploration. En effet, PEF rend visite aux lieux abandonnés et interdits et par son art leur rend hommage. Un événement culturel organisé par l'association ACAS, épaulé par la municipalité sérémangeoise. Visite interdite, non, ce n'est pas que vous ne devez pas vous y rendre, bien au contraire, il s'agit là de l'intitulé de l'exposition. Pour nous en parler, c'est dans un lieu qui plairait d'ailleurs bien à PEF, un lieu témoin d'un riche passé minier de la vallée de la Fensch, que nous retrouvons François Vimès et Salia Belgacem de l'association ACAS. Donc nous sommes ici dans une ancienne mine désaffectée d'Algrange, et donc une mine abandonnée, et nous avons fait le lien justement avec ces sites pittoresques pour vous présenter une exposition de l'artiste PEF le 17 et le 18 septembre 2016 à Sérémange-Erzange. PEF est un artiste qui nous vient de la région de Nancy et vient nous présenter donc une série de photographies sur l'exposition urbaine « Visite interdite ». Ce sont des lieux insolites, des lieux de mémoire, entre autres des friches, des écoles, des usines. C'est-à-dire qu'il rend visite à des lieux construit et abandonné par l'homme et immortalise ces lieux en de superbes clichés et rendant ainsi ces moments instantanés. Il les identifie comme étant urbex, contraction de urbain et exploration. Donc on vous donne rendez-vous les 17 et 18 septembre à la salle Rio de Sérémange-Erzange pour les visites interdites.